Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve exactement là où on s'était laissé la fois passée dans notre série Age of Civilization 2 avec le retour du Nord. Objectif du jour, ça va être fortifier nos têtes de pont en Afrique. Parce que là, c'est la misère. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est peut-être armurerie. Bof, non, pas intéressant. Plus, parce qu'il y a des endroits où on n'a aucune défense, genre ça. Défense que dalle. Donc c'est un peu honteux, hein, de pas avoir de défense. Même sur les îles, hein, tout est important. Hop. Hop. Bien. On va attendre et on va faire tout ce qui est, enfin, comment dire, on va améliorer tout ce qui s'améliore ici. Donc là, on a une forteresse niveau 2. Là, notre forteresse niveau 2, forteresse niveau 2, forteresse niveau 1, on va rajouter la tour de guet. Forteresse niveau 1, on l'améliore. Et ici, forteresse niveau 1. Très bien. Ici, forteresse améliorée. Ça n'a pas réellement besoin, ça ce sera bon. Déjà niveau 2. 1. Plusieurs qui vont être bien comme ça. Rappelons également que y a un début de construction de défense ici parce que nous sommes battus contre les Portugais. Et qu'ils avaient une sérieuse motivation à défendre leurs anciennes colonies. Hein. Donc on avait déjà construit quelques défenses. Plus. 0, 0. Là, pas de tour de guet aux frontières, quelle honte. Tac. Hop, on défend. Donc là, c'est de la fortification de l'Afrique, franchement. Trouvez, tiens, là, pour ceux qui ont regardé l'épisode précédent jusqu'au bout, j'ai demandé un nom de plan d'opération pour le moment où on va attaquer l'Allemagne. Maintenant, ce que je peux vous demander, c'est des noms pour les différentes lignes de fortifications que l'on est en train de créer. On a donc toutes les fortifications, peut-être ici, hein, celle-ci, celle qu'on est en train de faire, fortification dans le Sahara, la fortification en Europe, en Angleterre, en Turquie. Il y a tellement d'endroits. Allez-y, lâchez-vous sur des noms de fortifications. Peut-être que ça a un sens. S'il y en a qui veulent faire des noms pour toutes les fortifications, allez-y. Ce serait marrant. Enfin, toutes les lignes de fortifications, on a celle-ci. Ça, à la limite, pas besoin. Pour les petites. Ça, par contre, on peut considérer que c'est une grande. On a celle-ci. Celle-ci. Ça, à la limite, on peut la rattacher à la même. Puis on a celle d'Éthiopie et d'Égypte, qui serait une seule continue. On a celle d'Italie, on a celle d'Espagne, on a celle d'Angleterre, on a celle les différentes de Scandinavie, donc Danemark et enfin du Grand Nord, donc le Danemark, Finlande et peut-être même celle-ci qui se prolonge sur toute la partie ouest de la Russie. Puis on a celle de l'est de la Russie et de la Chine. Puis on a celle du Tibet. On aura celle de Perse après qu'on va développer. Ici, on peut considérer que on peut faire un nom pour les fortifications du sud-est. Là, on n'a pas besoin. Et par ici, si on va, là, on va en avoir besoin, par exemple. Voilà. Donc, il y a toute une série de fortifications que l'on est en train de bâtir. Et donc, voilà, alors maintenant on fait le tour. Ici.
Vérifier pour être sûr de pas dire de bêtises, en fait. Alors, ouais, c'est bien l'Angola. Donc, la fortification d'Angola et la fortification du Mozambique. Deux. Ah, ici, par exemple, c'est que du 1. Ici, elle est pas finie. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Là... Ok. En Afrique du Sud, il y en a pas. Donc, on va passer à la frontière du Mozambique. Allez, on s'en fout. On blinde le Mozambique. Tac, super. Ici, ici. Ça avance. Par contre, niveau revenu, heureusement que j'ai baissé ma... Comment dire, les revenus de la recherche, parce que bon, on est bien boosté en recherche. Sinon, ouf, ah, ça pique. Après, il faut dire que les taxes vont augmenter aussi. En train de défendre, les gens vont peut-être se sentir plus à l'aise ou moins à l'aise. Il y aura peut-être un pic de naissance s'ils se sentent plus à l'aise. Hop, et donc une augmentation de la population, donc plus de taxes à long terme. Ah, l'Allemagne est encore en guerre contre des rebelles. Pas pour longtemps. Voilà, c'est ça. Hop, j'ai 5 millions. 5 millions parce que va faire toutes les forteresses niveau 2. Et là, c'est là que l'Allemagne accepte une alliance, après que j'ai fortifié énormément mon territoire. Je me demande si ça fait grimper les points de... les points militaires de construire. Genre, dans le classement, on a une... on a des points en militaire, je me demande si ça... si ça les touche ou pas. Parce que franchement, si ça touche, tu fortifies un max ta... ton truc, et alors l'autre ici... Ah tiens, il est quand même hyper puissant, ouais. Boum! On peut regarder, hein. Ici en militaire, j'ai combien? Ah non, il n'y a pas de score militaire, il y a population. J'ai plus de population que l'Allemagne. Économie, ils ont une meilleure économie. Et en prestige, j'ai plus de prestige. Hop, ensuite on passe à cette petite enclave. Tanga. Ouais, ok. Ok, là on a un classement de nos villes les plus développées. C'est très bien, c'est pas ce que je cherche, mais c'est très bien. Encore un tour, très bien. Normalement ici c'est full niveau 2. Ici ça va dépendre. Par exemple celle-là je l'ai pas développée. Ici c'est niveau 2. Très bien, ben on va s'attaquer à ce bout-ci. Tac. Parce que là pour l'Égypte ça va être une sacrée... zone de travail. Franchement. Juste pour voir un score en population, on a actuellement 37 millions de population. Hop. Alors ici, est-ce qu'on fait... Ouais, on va faire toute cette partie-là de la corne. Ici, on en met. Et ainsi, on sait que dans, je pense que c'est 3 tours,
on va pouvoir passer 3 tours et avancer sur cette région-là, par exemple. Parce qu'on va être un peu plus stratégique pour la construction. Si c'est bon. On peut faire la ligne suivante, on a pas mal d'argent. Tac. Tout ça, hop, forteresse niveau 2. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi développer des centres de recrutement, en fait. Des endroits où ce sera plus facile de recruter du monde. Dire développer des fermes et tout ça dans certaines régions. Ah non, ça c'est pas bon. Maintenant ça l'est. Maintenant ça l'est. Ok, on va prendre ce coin-ci. Et on va descendre doucement. Tac. Ici, ici. Ça, c'est niveau 2. Ici, c'est niveau 1. Là, c'est niveau 2. Voilà. Est-ce qu'on fait... Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire toutes les lignes ici. Non, ça on s'en fout. Parce que tu n'es pas en frontière. À la limite, si tu te retrouves en risque d'être une frontière, on t'aidera. Mais à ce niveau, à ce moment-là... Passe quelques tours, hein, si on laisse tous construire. Niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Et ben voilà. Tac. Tapis de forteresse. Ici, alors ça, hop, ici, c'est bon. Ici, c'est bon, ça. Ça l'est, ça c'est en cours, ça, sans construction, ça, sans construction. Voilà, et donc on aura toute cette partie-là qui vient d'être faite en un bon quart d'heure. Puis on peut aussi faire ceci. Et développer tout ce qui est sous ce cadran. Sous l'Égypte, en fait. Parce que là, c'est vraiment... Tac, ici, 1... ici, tac, voilà, ici, ensuite on a cette poche, si
Si on a une forteresse ennemie. C'est en cours d'amélioration, c'est ça. Plus. Full forteresse niveau 2. Ensuite, ici, niveau 2. Niveau 2. Après, il me restera juste l'Egypte. Et l'Egypte, est-ce que je la fais en entière ou alors je fais jusqu'au Nil? Genre, défendre, tout ça. Après, il y a ça. C'est vrai qu'il y a de ce côté-ci. On va défendre ce côté-ci pour commencer parce que c'est juste à côté. Mais on va pas aller beaucoup plus loin. Genre ça. Et après, on va juste faire la partie ouest du Nil. Parce que l'ouest, là, est plus exposé. Tac, tac. Si, j'ai dit qu'on faisait tout l'ouest. Alexandrie. Ok, ensuite. 2, 2, 2, 2. 1, 1. 1. Voilà. Notre partie égyptienne est bientôt entièrement renforcée. Mais ça, c'est pas une mince affaire. Tac. Ah bah super. Regardez-moi ça. On a fait tout ça. On a fait donc la ligne Éthiopie-Égypte. Qui est renforcée, même si elle risque de se faire couper parce qu'elle est hyper faible, genre là, pouf, là franchement, ce coin-ci c'est un coin à se faire passer à travers. Donc la prochaine fois, il restera encore une ligne de fortification, c'est la ligne de fortification perse. Et ensuite, il faudra faire du recrutement pour toutes les zones, et ensuite débarquer des endroits sur les zones à fragilité, toutes les provinces d'Afrique. On va faire des gros recrutements et envoyer des détachements pour se défendre. Bref, ça va être bien tendu comme guerre. Mais on se prépare petit à petit. Donc j'espère que cet épisode, même s'il n'était pas hyper intéressant, vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, bah, laissez vos pouces rouges, laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.